Un instant, je vous prie. J'ai tout mon temps. Que désirez-vous? Bon, deux aspirines. Il est un peu sinistre, ce trou. On s'y habitue. Merci, au revoir. Thank you.
Tu ne me laisses pas entrer. Je t'ai dit que je viendrais te rendre visite si on n'arrivait pas à un accord. Ça se voit que tu t'es débrouillé, toi. Moi, par contre, ça va pas trop fort. J'ai eu un accident qui a laissé des marques. Je suis plus très beau, hein? Mais toi, t'es toujours ravissante. Tu n'as pas du tout changé. Je t'en prie, finissons-en. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Puis, j'ai pensé à toi. Tu vas m'aider à m'en sortir, hein? Tu te trompes, Gert. Moi aussi, j'ai changé. Je n'aime plus les mendiants. Je ne suis plus ta maîtresse. Ou est-ce que tu l'as oublié? Excuse-moi, Denise. À tout à l'heure. Reste ici, Peter. Je n'ai pas besoin d'être seule avec ce monsieur, puisqu'il appartient au passé. Oui, c'est mon ancien amant. C'était bien avant que je te rencontre. Maintenant, il veut me faire chanter. Il pense que tu ignorais cette histoire. Eh bien, je croyais que tu voulais voir mon mari. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, parle. Je t'assure, je ne voulais que te rendre visite. Oui, j'ai besoin de fric, mais de taper, c'est autre chose. Allez-vous-en tout de suite. Et ne revenez plus, vous entendez? Dehors. Je l'ai connu en Algérie, quand je travaillais dans une boîte de nuit. C'était un homme d'affaires. Un trafiquant d'armes. J'étais seule, désemparée. Tu sais comment se passent ces choses-là. Tu aurais pu me le dire avant. Je ne voulais pas t'en parler. C'est un épisode sans importance. À t'entendre, tu ne prends rien au sérieux. Thank you.
Mais c'est défendu ici. Ah oui, c'est juste. Je suis étourdi. Dans ce trou. Je n'ai pas encore signé le contrat avec Gruber. Je devrais partir la semaine prochaine. Est-ce que ça t'ennuie? Tu sais bien que non. Oui, je sais. Tu veux un verre? Non. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Ah oui, on s'ennuie ici ou bien on s'ennuie chez le docteur Hernandez. Une autre femme serait plus agréable que toi. Tu crois? Ma chérie, pour moi, ce serait plus facile de faire l'amour à une statue de marbre qu'à toi. Pourquoi insister? Tu sais que j'ai les nerfs en plat. Je ne dors pas très bien, je me réveille au moindre bruit. Tes amis t'attendent depuis longtemps au cercle. Il est inutile de me tenir compagnie. Ne claque pas la porte, s'il te plaît. Non, laisse-moi. Je risque gros en venant ici, tu le sais bien. Tu joues ton petit jeu de plus en plus à mes dépens. Nous avons conclu un accord. Il faut le respecter jusqu'au bout. Tu es la femme de mon frère. Situation équivoque. C'est toi qui rends cette situation embarrassante. Qui est obligé de vivre avec lui? Qui doit le supporter? Est-ce toi qui frémis d'horreur quand il m'approche? Pourquoi dis-tu ça? C'est mon frère jumeau. Nous avons la même peau et le même sang. Ça fait horreur, moi aussi. Au contraire, il existe une petite différence que j'adore. Mais tu l'as épousé. Il s'est amené au moment propice. J'étais sans travail, j'en avais assez de lambiner. Il rentrait d'Amérique et il voulait s'établir ici. Au fond, il m'a offert la sécurité. Alors, j'ai décidé de me marier. Est-ce que tu trouveras le courage de le faire? Oui, je le trouverai. Vite, trouve-le vite. Je te jure que je le ferai. Tu me fais souffrir le martyr, tu sais. Denise. C'est dément de me mettre dans cet état. Je suis un homme, pas un instrument. Ah oui? Je veux tout ou rien, je ne veux pas faire la moindre concession. Et je veux quitter cette ville et ce pays d'idiots embourgeoisés.
Si je te cède, tu auras ce que tu veux et tu ne trouveras plus le courage d'agir. Si j'agis, je pourrais sauter au lit avec toi. C'est pas ça, hein? Tu crois vraiment que tu en vaux la peine? Oui. Une femme a besoin d'un homme à ses côtés. Un homme qui n'a pas peur de sa propre ombre. Je crois que tu n'es pas l'homme qu'il me faut, malheureusement. Je te conseille de rester tranquille. Allô? Qui est à l'appareil? Qui êtes-vous? Vous avez 5 jours pour m'apporter 200 000 pesetas. Je prendrai le ferry de Bilbao tous les soirs à 11 h. Vous me retrouverez sans difficulté. Si j'étais vous, j'obéirais. J'en étais sûr. Ton histoire n'a pas marché. Bien, je croyais qu'en lui faisant croire que tu étais mon mari, il disparaîtrait. Il a dû se renseigner. Il sait que toi et moi... il ne manquait que ça, tomber entre les mains d'un maître chanteur. Ça ne m'ennuie pas du tout, au contraire. Comme ça, il faudra que tu agisses. Si cet homme décide d'aller voir ton frère... Si nous le payons, crois-tu qu'il s'en ira? Non, ça m'étonnerait. Nous n'avons plus le temps. Tout est prêt. J'ai consulté je ne sais pas combien de livres médicaux. J'ai préparé les drogues, la seringue, mais il faut agir tout de suite. On n'a plus le choix. Ou bien on oublie tout. Tu me fais vraiment peur. C'est notre seul espoir. Lundi, il devrait partir pour signer son contrat avec Gruber. Compris. Cinq, trois. Trois blancs, docteur. Je passe. J'ai enfin de la chance ce soir, c'est pas dommage. Voyons si ça va continuer. C'est ton tour. Je serai parti 2 jours, Peter. Souviens-toi de faire l'inventaire. Denise, veux-tu que je te ramène quelque chose? Non, rien, merci. Le contrat avec Robert te sera utile. À toi, plutôt. As-tu oublié que je ne suis que ton employé, John? Et à qui la faute? Tu as dépensé ton héritage comme tu l'as voulu? J'avais envie de voyager. Et tu as fini au Vietnam tout seul avec une balle dans l'estomac. Reste ici ce soir, je t'appellerai à 10 h. Je n'aurai rien à te dire, tu le sais bien. Épargne-moi ton sarcasme. Est-ce que tu as pris tes comprimés? Oui. Prends-en un toutes les 4 heures sans faute. Oui. La pharmacie est déjà fermée. Je reviendrai avant le lever du jour. Personne ne s'apercevra de mon absence. S'il ferme les yeux, secoue-le. L'important, c'est qu'il reste éveillé. N'oublie pas, n'exagère pas la dose d'amphétamine. Il ne doit pas mourir. Il faut l'épuiser, l'affaiblir à petite dose. Mais il ne faut pas qu'il dorme. D'accord.
Peter. Bonne chance. Non, mon frère, non, tu ne vas pas mourir. Je ne le permettrai pas. Souviens-toi du jour où je suis revenu. C'est ta femme qui m'a soigné, qui a guidé mes premiers pas. Je me suis toujours résigné à vivre dans ton ombre. C'était moi l'enfant prodigue de la famille. Celui qui a dissipé son argent et sa jeunesse. Il a fallu que je te supplie de me donner du travail, en souriant, bien entendu. Peut-être as-tu eu quelques soupçons, tu rêves. Peut-être nous as-tu surpris, Denise et moi. Mais malgré tout, que tu le crois ou pas, je le regrette. Est-ce pour cette raison que tu as changé ton testament, nous déshéritant tous les deux? Et tu nous as poussés à bout, tu sais. On n'avait vraiment plus le choix. Ah, t'en fais pas, tu ne mourras pas. C'est ça l'ironie du sort, mon frère. Tu vivras pour Denise et pour moi. Tu vivras et nous prendrons soin de ta fortune. Je veux seulement détruire ton cerveau, John. Tu ne sauras jamais ce qui t'est arrivé. Dès aujourd'hui, tu vivras dans un monde absurde et irrationnel. Jusqu'au jour où tu deviendras fou. Tiens, John, qu'est-ce que vous faites en ville? Comment vous sentez-vous? Bien. Comment se fait-il que vous ne soyez pas venu voir? On avait rendez-vous la semaine dernière. Ce n'était pas à cause d'une autre attaque, j'espère. Non. Je vous conseille d'être prudent. Votre maladie est comme une bête assoupie, vous savez, toujours prête à se réveiller. Bonsoir, Annie. Au revoir, Anna. Peter, tu m'attends ici depuis quand? Mademoiselle, vous ne vous trompez pas. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? J'ai vu la camionnette et je pensais que... Oh, je vois, vous êtes son frère. Ou c'est lui, mon frère, ça dépend du point de vue de l'interrogateur. Peter m'a parlé de vous, mais je n'imaginais pas qu'il y avait une telle ressemblance. On nous l'a déjà dit. C'est étrange, bizarre. Au revoir, alors. Mademoiselle, attendez. Comme vous connaissez Peter, je pourrais vous accompagner, puisqu'il pleut à torrent. Pourquoi pas?
Dites-moi, vous êtes une bonne amie de mon frère? À droite, au feu rouge. Où l'avez-vous connu? Dans un café. Nous avons bavardé pendant plus d'une heure de choses et d'autres. Il était très séduisant. Le dragueur idéal. Rien de plus? C'est là où j'habite, au numéro 18. Oui. Une question. Vous vivez seul? Oui. Ah, bien. Invitez-moi à boire un bon café. Venez. Je n'aime pas être seule pendant l'orage. Je vous en prie, entrez. Ces instruments de torture. Surtout après 8 heures de travail dans un restaurant. Est-ce que vous aimez la musique? Rosie! Rosie! Ne soyez pas surpris. Ça vient d'un mauvais contact dans le mur. Si je tape encore, la lumière reviendra. Rosie! Rosie, mets-moi mon disque préféré! Votre frère ne vous a jamais parlé de moi? Non. Curieux. Quand il vient en ville, on est toujours ensemble. Vous avez l'air inquiet? Non. Vous vous invitez ici, mais vous ne voulez pas vous amuser. Votre frère, c'est autre chose. Comment est mon frère, Annie? C'est un homme attrayant, mais assez froid. De temps à autre, je me crois amoureuse de lui, mais quelque chose me retient chaque fois. Dans ce cas, tu pourrais être amoureuse de moi aussi. Tu ne peux pas nous distinguer l'un de l'autre. Oh, mais vous êtes un homme marié, tandis que lui, c'est un célibataire. Ce n'est pas vrai. Ne m'en parlez pas. Je vis avec une femme chaste, une salope qui me déteste, une garce qui m'a en horreur. Oh, votre frère m'a dit que vous étiez sujet à des crises nerveuses. C'en est pas une, j'espère. Je n'aime pas cette musique d'imbécile. Rosie, enlève le disque. Oh, qu'est-ce que vous faites? Ce que tu m'as donné, je le veux moi aussi, tu m'entends? Ah, lâchez-moi! Non! 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 Quelle différence y a-t-il entre mon frère et moi? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Pourquoi est-ce que ma femme le préfère? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toutes ces questions? Oh, lâchez-moi, je vous en prie! Calmez-vous, John, calmez-vous! Montre-moi ce que tu as fait avec Peter, putain! Oui, John, oui! Embrasse-moi comme tu l'embrasses, lui, embrasse-moi, tu entends? Oh. Embrasse-moi! C'est lui qui m'embrasse! C'est lui! Je ne fais que me soumettre, vous savez! Dis-moi ce que tu as. Tu as encore l'air inquiète. Dis-moi ce qui te tourmente. Sois franche. Denise, c'est moi. Tout va bien? Oui, ça va. Je pense qu'il a besoin d'une injection. Il a tendance à fermer les yeux. Non, non. Non, je ne le laisse pas dormir, t'inquiète pas. Très bien. J'ai fait ce qu'il fallait ici. Annie n'a rien soupçonné. Et maintenant, je vais voir notre ami. Thank you.
Tu as bien fait de venir. Qui êtes-vous? J'ai un visage qu'on n'oublie jamais, je crois. T'as apporté le fric. De quoi parlez-vous? J'aime pas qu'on se foute de moi comme ça. Ou tu as le fric ou je vais voir ton frère. La situation est suffisamment claire. D'accord. Montez. Je voudrais une précision. Pourquoi dois-je vous enrichir? Lidan, tu as fini de me faire marcher. Tu le sais très bien. Ah. De toute façon, vous allez le répéter. Eh bien, au risque de me raser, tu veux pas du tout que ton frangin apprenne certains faits que je connais. Et c'est pour éviter ça que tu dois me donner une récompense de 200 000 pesetas. Je veux savoir maintenant la vérité. Si je ne vous donne pas l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? J'irai parler à ton frère de ton aventure avec Denise. Je lui raconterai les moindres détails. Vous avez des preuves? J'en ai assez pour convaincre Marie. J'ai fait semblant d'être mon frère. J'ai voulu connaître la vérité. Je ne suis pas Peter, je suis John. Le mari. Tu es un menteur, je ne te crois pas, salaud. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Si tu veux transiger, je suis prêt. Tu n'as qu'à m'en donner la moitié. Est-ce que ça te va? T'es pas John. Tu n'en seras jamais sûr. Peut-être. Mais c'est Denise qui a tout combiné. Je la connais bien, cette garce-là. Pourquoi tu te fais passer pour John? Non. Tu n'es pas le frère. T'es Peter. Et si vous avez besoin d'un bon coup de main, je suis là. J'ai fait beaucoup de métiers, je saurais vous être utile. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, tu pourrais nous aider. On a besoin d'un type dans ton genre, un gars qui n'a peur de rien ni de personne. Jusqu'à quand faut-il qu'il reste éveillé? Jusqu'au moment où son cerveau aura assimilé tout ce que moi, Peter, ai fait. Tu n'es pas malade, John. Tu n'es pas malade. Tu es allé au laboratoire Gruber pour signer le contrat. Tu es allé à la ville. Tu as vu beaucoup de gens. Le docteur Durand, Annie, ce sont eux qui témoigneront d'avoir vu aujourd'hui. Tu as été chez Annie cette nuit. Tu as fait l'amour avec elle. Tu as été chez Annie. Tu as fait l'amour avec elle. Tu vas te souvenir point par point de ce que tu as fait. Ce sera gravé dans ta mémoire. Chaque phrase, chaque image. Tu as tué un homme, John. Tu as tué un homme. Thank you.
frère, c'est autre chose. Vous avez l'air inquiet. Je vous invite ici, mais vous ne voulez pas vous amuser. Vous avez l'air inquiet. Vous avez l'air inquiet. Votre frère, c'est autre chose. Vous vous invitez ici, mais vous ne voulez pas vous amuser. Vous avez l'air inquiet. Votre frère, c'est autre chose. Vous vous invitez ici, mais vous ne voulez pas vous amuser. Vous avez l'air inquiet. Votre frère, c'est autre chose. Vous vous invitez ici, mais vous ne voulez pas vous amuser. Vous avez l'air inquiet. Votre frère, c'est autre chose. Vous avez l'air inquiet. Votre frère est célibataire, mais vous êtes marié. Vous vous invitez ici, mais vous ne voulez pas vous amuser. Comment est mon frère? Comment? Mon frère est... Il est... Jamais sûr. Toi et Denise, vous avez combiné une grosse affaire ensemble. Je la connais bien, cette garce-là. Pourquoi tu prétends être ton propre frère? Qu'est-ce qui nous intéresse tous les trois dans la vie à part l'argent? Tu es Peter. Si vous avez besoin d'un bon coup de main, je suis là. Qu'est-ce que t'en penses? Tu pourras nous aider. On a besoin d'un type dans ton genre, un gars qui n'a peur de rien ni de personne. Ah oh 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 oh. La décharge provoquera en lui une crise d'épilepsie. Et après? Il sera incapable de distinguer le vrai du faux. Parce que son cerveau sera détruit.
Tu en es bien certain? Au Vietnam, j'ai vu des Américains qui ont été faits prisonniers par le Viet Cong. À leur retour, ils nous combattaient, nous. On leur avait lavé le cerveau avec les mêmes techniques. Je préférerais mourir. Pas toi. Moi, non. Bientôt revenir à lui. Une attaque d'épilepsie est une sorte de mutinerie de l'organisme. Il ne fonctionnera plus de la même manière, surtout en ce qui concerne les fonctions mentales. Madame, c'est une maladie cruelle. Votre mari ne sera plus comme avant, je le crains. Oui, je comprends, docteur. Qu'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai? Tu as eu une autre attaque. En ville? Ici? Oui. Juste avant de partir. Je suis resté ici. Reste tranquille. Tu as passé 2 jours dans le coma, tu sais. Ce n'était pas... C'était pas vrai. C'était un cauchemar. Cette fois-ci. C'était comme les autres fois, comme toujours. Tu me regardes comme si j'étais coupable. J'ai honte d'être malade, d'être épileptique. J'ai toujours eu peur de te perdre, Denise. Oui. Est-ce que tu me détestes? Notre mariage est un mariage pourri. Je vise une vie qui finira par m'épuiser. Ce pays, ce village, quelqu'un comme moi perd son temps ici. Tu es avec moi? Tu sais que tu me fais horreur, John. Ta maladie me répugne, et si tu te voyais, tu te dégoûterais. Je suis encore jeune, tu sais. Tais-toi! Va-t'en, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Presque normal. Et tu es retourné voir le docteur Durand, le spécialiste que je t'avais recommandé? Je l'ai aperçu à Bilbao, mais je l'ai évité. Quand ça? Quand d'après vous, je délirais. Ah non, je t'en prie, oublie une fois pour toutes tes hallucinations, mon petit. C'était un cauchemar. Trop vrai, trop réel. Je suis sûr que l'homme que j'ai tué existe, docteur. Et tu dis vague encore. Et où se trouverait le cadavre? Il doit y avoir un cadavre. Je l'ai mis dans la camionnette, je crois. Ah, c'est ridicule. Ta perte de glucose m'inquiète plus. Que penseriez-vous? Que penseriez-vous si vos rêves, si vos pires cauchemars devenaient d'un coup plus que vrais, si le présent et le passé se confondaient? Eh bien, c'est ce qui m'arrive. Eh bien, je dirais que ton taux de glucose est bien faible.
Le manque de glucose se répercute sur le fonctionnement psychique. Le malade peut alors réagir d'une manière curieuse ou bizarre. Il aurait des cauchemars. Pour toi, l'important, c'est le repos. Je le revois lorsqu'il est tombé par terre, son visage est devenu blanc comme neige. Je voudrais pouvoir vérifier quelque chose. Rien qu'une vieille couverture. Viens voir toi-même. Tu vois, il n'y a pas de cadavre. Et pas la moindre trace de violence. Tu as beaucoup trop d'imagination, John. Et tes nerfs ne sont plus très solides. Je connais une fille qui s'appelle Annie. Je connais un tas de filles, mais Annie, non, je regrette. Elle travaille à Bilbao, dans un café-restaurant. Elle a cru au début que j'étais toi, Peter. Au début? Hein, tu parles de ton cauchemar. Pourquoi te tormentes-tu? Tu dois oublier, John. Tous ces souvenirs sont les morceaux d'un pulse sans solution. Un pulse qui n'a pas de fin. Je me souviens de cette fille, de ses paroles. Je me souviens de son visage, de son appartement. Une belle fille? Très jolie. Et affectueuse. Alors, tu as passé une agréable soirée en sa compagnie. Denise n'est pas jalouse. Et alors, tu ne connais pas cette femme? Jolie, qui est-ce? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je ne l'ai jamais vue. Ou bien je me suis trompé encore une fois. Comment voulez-vous que je sois sûr? Quelqu'un a mis cette photo dans ma poche. Tu t'énerves beaucoup trop, John. Tu te sentiras mieux si tu avales ce tranquillisant. Non. Bois-le. Non! L'insuline diminue le taux de glucose dans le sang. Tu le sais? Oui, bien sûr. Pourquoi? La pharmacie a un important stock d'insuline, d'après ce que j'ai remarqué. Pourquoi?
Il nous accuse de l'avoir drogué avec de l'insuline. C'est très drôle. Peut-être. Mais je n'apprécie pas. Je n'aime pas ce genre de jeu. Je voudrais savoir si tu nous avais connus au même moment. Bien, Denise, lequel aurais-tu préféré? Quelquefois, je me le demande aussi. Il a dit qu'il pouvait prouver que toi et Peter étaient amants. Qui? L'homme que j'ai tué. Tu es fou. Mais quand Peter est revenu ici, il était blessé et vivait avec nous. J'avais peur de lui. Vous êtes devenus tout de suite intimes, vous deux. Je me sentais délaissé. Peter est la seule personne ici qui sache ce qu'est la vie. J'étais si jaloux. Oh, c'est normal dans ces circonstances. Est-ce la jalousie qui t'a fait refaire ton testament? J'étais comme un homme obsédé, Denise. Dans mes rêves, je te faisais l'amour, prétendant être lui. Comprends-tu cela? Mais ce n'était que des rêves. Si vraiment j'avais essayé, j'ai peur d'y penser, tu sais. Et alors, si ton frère avait essayé lui aussi la même chose? Si j'avais été consentante, si je l'avais laissé faire sans rien dire? Tais-toi, je t'en prie. Crois-tu que j'ai couché avec lui? Il n'y a que Peter qui sache la vérité. Je trouve ça très drôle. Je t'en prie, tais-toi! Je t'en prie. Je me sens vidée. Aide-moi. Je veux que nous soyons heureux. Je voudrais... Je ne veux pas te perdre. Aide-moi. Ici à Paris, c'est un festival de lumière. Les rues sont toutes pleines de gens gais et vivants. Tu comprends. Là, la misère et la monotonie qui soulignent les heures de ce trou perdu n'existent pas. Paris, ça fait 10 ans que je n'y suis pas allée. Maintenant, j'irai avec toi. Tu crois que nous pourrons vivre comme les autres après ce qu'on a fait? On réussira. Tu verras. John et moi, on est nés ensemble. On pensait mourir ensemble aussi. C'est comme si nos vies étaient unies à jamais pour l'éternité. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne va pas le tuer? Non. Il vivra afin que nous visitions Paris en touriste. Surtout, n'aie pas pitié de lui. Est-ce qu'il en avait pour nous? Maintenant, il dépendra de nous, soumis, dociles, pour sa vie entière, Peter. Je commence à croire que ça va marcher. Il avait une cicatrice sur la joue. Je sais que j'ai tiré sur lui.
portait un chapeau tyrolien. D'abord la photo, ensuite le pistolet. Maintenant la plume, ce sont des choses réelles. Mais qu'est-ce qu'elle prouve? Que j'ai tué cet homme, que tout est vraiment arrivé, que je n'ai pas rêvé. Elle prouverait simplement que tu as déliré pendant 2 jours. Vous pensez que je suis fou? Que je mens parce que je suis fou? Que j'ai vraiment perdu la raison? Voulez-vous répondre? Dites-moi la vérité, docteur. John, lâche-moi. Pardon. Je ne sais plus comment t'aider. Je sais bien. J'ai la tête en miettes, je n'arrive plus à raisonner. J'ai peur de connaître la vérité maintenant. Tu devrais consulter un neurologue. Tu crois? Je vais appeler le docteur Durand. Non. Attendez encore un jour, je vous en prie. Ce que j'ai à faire est très important. Je veux savoir si je suis un fou ou un assassin. John, je vous conseille de ne pas m'en empêcher. Vous avez entendu? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que sa maladie s'était aggravée? J'ai cru au début que c'était un état passager. C'est difficile à croire. Mais au fond, je n'en sais rien. Je parlerai au docteur Durand. Si vous pensez aller en ville, je vous conseille de passer le voir. Le consulter. Il faudra l'hospitaliser tout de suite. Qui êtes-vous? J'attendrai jusqu'à ce soir. J'ai toujours besoin de ces 200 000 pesetas. Je suis au nouvel hôtel. Attendez, je ne comprends pas. Laissez ce message, monsieur. Savez-vous où je peux le trouver? Il avait besoin de faire photocopier certains documents. Et pour faire des photocopies, où est-il allé? Dans un magasin, au fond de la rue, à droite. Oui. Quand est-ce qu'il est parti? Il vient de partir, c'est étrange que vous ne l'ayez pas croisé. Est-ce qu'il avait une balafre sur la joue? Ah oui, assez vilaine.
Il voulait vendre sa voiture, il m'a dit qu'il partirait bientôt pour Montevideo. Il m'a laissé son adresse, c'est avenue San Mateo, numéro 18. San Mateo ? Oui, numéro 18. Merci. Encore tout ? Tu t'en vas déjà ? Oh, je dois admettre que tu sais bien faire l'amour. Menteuse ! J'étais malade ce jour-là, chez moi, au lit ! Connais-tu un homme qui s'appelle Belair ? Oh non ! Mais il habite ici ! Vous vous êtes mis d'accord tous les trois pour me détruire. Mais je ne suis pas fou. Pas encore. Tu vas tout me dire. Non. Si j'ai commis un crime, si j'ai déjà tué quelqu'un, quelle importance si je tue quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais été ici. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Vrai ? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Tu mens. Tu vas me dire la vérité. Qu'est-ce que tu veux ? Laisse-moi tranquille. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dis-moi si j'ai déjà été ici ou pas. Réponds. Est-ce que c'était moi ? Tu me fais peur. Je ne comprends pas. Je veux savoir. Non ! N'aie pas peur. Dis-moi la vérité. Oh. Ah ! Il avait une de vos ordonnances dans sa poche. Voilà pourquoi je vous appelais. Oui, c'est un de mes anciens malades. On l'a trouvé inconscient sur le trottoir. Il souffre d'épilepsie. Regardez ses pupilles. Il y a très peu de temps qu'il s'est drogué. Ses papiers sont parfaitement en règle. Vous vous sentez mieux ? Je voudrais un peu d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Commissaire, je suis venu me livrer. Je viens de tuer quelqu'un. C'est ici ? Oui. Vous affirmez avoir tué deux personnes. Où est l'autre cadavre ? Je n'en sais rien. L'avez-vous caché ? L'avez-vous fait disparaître ? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je l'ai laissé là. Il n'y a pas de mort ici, cher monsieur. Vous êtes sûr de vos déclarations ? Je l'ai poussé contre le mur, la lumière s'est éteinte. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Je sais très bien que la lumière s'en va si on frappe le mur. Croyez-vous qu'il dise la vérité ou pas, docteur ? Pour lui, c'est la vérité. Sa maladie a terriblement affaibli son système neurocérébral, produisant ce que nous appelons une inhibition paradoxale. C'est trop compliqué pour moi. Qu'est-ce que nous devons faire ? Le faire interner. Il pourrait tuer et seulement pour nous prouver qu'il a dit la vérité. Il est dans un état d'inertie pathologique. Il pourrait devenir dangereux. Un de mes assistants vous emmènera à la clinique. Faites-moi un rapport rapidement. Je dois faire un procès-verbal complet. Allez, venez, John. Ah!
m'emmenez-vous? À ma clinique, je voudrais vous examiner. Docteur, je sais que je ne suis pas un épileptique. Nous sommes tous des épileptiques en puissance. Et peut-on provoquer une crise d'épilepsie? Est-ce que c'est possible? Il faut que je le sache. Oui, c'est possible, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Revenez ici, John, revenez! Apportez l'argent. L'argent ne peut vous être utile si vous êtes mort. Tu veux me tuer une deuxième fois? On ne meurt pas deux fois. J'ai tout deviné, tu sais. Thank you.
belle ensemble pour un enterrement. Mon Dieu, dis-moi ce qui s'est passé. Tu peux tout oublier, tout est à l'eau, on n'aura rien, ma chère. Il est mort. Mort? Mais il ne devait pas mourir. Il a vu ma motocyclette. Il a tout de suite compris qui j'étais et ce que nous faisions. On était dans un train, on s'est bagarré. Il est tombé au moment où un autre train arrivait. Mais maintenant, que doit-on faire? La police va enquêter? Et alors? Aucune raison de nous inquiéter. John était fou, non? Nous pouvons le prouver. On peut prouver qu'il a tué Gerd Müller. Nous nous en tirerons, t'en fais pas. De toute façon, personne ne sait que Gerd était ton amant dans le passé. Ouais. Personne ne le sait dans ce pays de bourgeois abrutis. Ça m'a rendu service, ce masque. John avait appris ses leçons. Il était persuadé d'avoir abattu Müller. Mais tous nos plans se sont avérés inutiles à la fin. Selon son testament, nous n'aurons pas le moindre petit sou. Elle est belle, sa vengeance, tu ne trouves pas? Pourquoi tu l'arrêtes? J'aime cette musique. Tout l'immeuble l'entend. T'en fais pas, chérie. J'ai des petites économies. On pourra s'en aller, on pourra aller à Paris. Nous oublierons vite ce qui est arrivé, Peter. Tu crois qu'on pourra? Ne bois plus. On ne tue pas son frère tous les jours. Je veux fêter ça. Je t'en prie. J'ai tué mon frère pour toi. Pour avoir le droit de te prendre quand je veux. Je veux savoir si ça en valait la peine. La police a peut-être déjà trouvé le corps de John. Je suis inquiète. Calme-toi. Tout le monde sait que John était fou. On croira qu'il s'est tué. Il n'y a personne qui pensera que sa mort n'est pas un suicide. En outre, il n'y a pas de preuves. Un plan astucieux. Si seulement tout se terminait très vite. Crois-tu que ça finira pour nous? Crois-tu qu'on pourra vivre heureux et satisfait après ce qu'on a fait? Tu oublies le principal, ma petite. Quoi? Il nous faudra vivre l'un avec l'autre. Et chaque fois qu'on se regardera, on pensera à ce qu'on a fait. L'amour deviendra vite haine. Oh, ne sois pas ridicule.
Arrête de boire. Si je veux boire, je boirai. J'ai tous les droits. Pendant 20 minutes, tu m'as tenu dans tes bras. J'ai toute ma vie pour t'apprendre les vertus de la haine. Oh, salaud, tu es saoul. Tu voulais tout, moi et l'argent. Un autre te tuerait, est-ce que tu le sais? Mais la mort est une solution beaucoup trop facile, chérie. Je veux que tu souffres et tu souffriras, je te le promets. Tu es perdu, tu sais. Un jour viendra où tu seras à bout. Je te tuerai ce jour-là. Oh, mais qu'est-ce que tu as? La police va arriver d'un instant à l'autre, il faut la recevoir. Ils vont nous questionner, nous devrons répondre. Il faut que nous ayons calme. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Je vous ai appelé quand j'ai trouvé le cadavre et ce que vous m'avez répondu m'a prouvé que j'avais raison. J'ai compris alors que Peter et Denise avaient provoqué les crises épileptiques et que John nous avait dit la vérité. Connaissez-vous l'identité du cadavre? Oui, c'est certainement l'homme que John pensait avoir tué pendant son délire. Je n'arrive pas à le croire. Vous êtes sûr que c'est John, le mort de la voie ferrée? Le frère et la veuve auront à répondre à beaucoup de questions. En route. Qu'as-tu, Peter? Ah! Toi, tu as tué Peter! Ah! Au secours! Il a perdu son masque. Et puis il est tombé sur les rails. L'autre train l'a déchiqueté. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Maintenant, je m'en rends compte, tu sais. Tu croyais faire l'amour avec lui. Je vais te tuer, est-ce que tu comprends? Non! Je n'ai rien fait, moi. Je n'ai fait que t'aimer.